La dernière photo, là, de la dame qui est avec son polaire et son chien. Là, je suis sûre que c'est elle, il n'y a pas de souci. Martine Laporte est formelle, il s'agit bien de Sandra Clifton, l'éleveuse de Beagles, la compagne de Robert Andy Frigard, l'escroc britannique, accusé d'avoir extorqué un million de livres sterling à ses victimes. À Vidaya, il a vite éveillé les soupçons. On savait quand même au moins depuis 3-4 ans et, et peut-être plus que, que ce monsieur avait déjà un passé quand même assez sulfureux en Angleterre. Et on se disait bien que finalement, eh ben, il était en train de reproduire la même chose à Vidaya. De 2015 à 2022, les rapports de l'inspection des installations de l'élevage illégal se multiplient et la commune alerte les autorités. Les services de l'État, donc euh, au travers du procureur à qui j'ai eu l'occasion de faire... Deux courriers. Le dernier, donc début 2021, où je relatais euh, cette histoire, où je, je m'étonnais vraiment de la situation euh, de cette dame qui euh, était là déjà à l'époque depuis cinq ans, qui ne sortait jamais de chez elle, qui vivait dans des conditions euh, vraiment très particulières, euh, qui avait des chiens, on ne savait pas combien. Et malgré tout ça, malgré notre inquiétude, malgré le fait qu'on qu dise que de toute façon, euh, il y avait quelque chose, il, il, il fallait qu'on s'occupe de cette situation, eh bien, on n'a pas été entendu. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure. Euh, Jusqu'en juin dernier, où un arrêté préfectoral acte la fermeture de l'élevage de chiens, ce qui conduira au contrôle du 25 août, pendant lequel Robert Andy Frigard percute deux gendarmes avant de s'enfuir. Mon hypothèse, c'est simplement que c'est quelqu'un qui, euh, quand on approchait trop près de sa femme, euh, revenait très très vite euh, sur le secteur, c'est-à-dire qu'entre 1h et 1h30, il était revenu. Donc je me dis qu'il n'était pas euh, ni en Angleterre. Euh, ni à Lille, donc euh, il doit être euh, quelque part, pas très loin. Le fugitif est toujours recherché. Il est accusé de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Quant à sa compagne, elle collabore à l'enquête, selon la presse anglaise.